Bonjour chers élèves, chers apprenants, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour vous présenter votre émission dédiée à l'enseignement à distance. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif d'aider tous les jeunes apprenants tchadiens en cette période de la pandémie du COVID afin qu'ils aient des liens avec les cours et elle est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision, mais également sur Internet. Eh bien, chers amis, chers élèves, aujourd'hui nous allons suivre un cours qui nous sera présenté par Madame Réouri. Ce cours concerne les élèves de la classe de CEM. La leçon est titrée « Études des consonnes muettes X et P ». Je vous demande donc d'être attentif et surtout, lavez-vous les mains avant de suivre ce cours. Bonjour les élèves, je suis Madame Réouri Nengona Djingartoussou. Notre leçon d'orthographe d'aujourd'hui porte sur l'étude des consonnes muettes qui sont X et P. À la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable d'identifier les mots contenant les consonnes muettes X et P, les écrire correctement dans des phrases. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et l'interactivité, je vous conseille d'avoir à côté de vous un cahier avec un stylo, soit une ardoise avec un morceau de craie. Bien comme je l'avais annoncé, notre leçon d'orthographe d'aujourd'hui porte sur l'étude des consonnes muettes. Mais avant de voir notre leçon du jour, qui peut parmi vous conjuguer le verbe vouloir travailler au présent de l'indicatif? Si nous prenons le verbe travailler ici, pour le conjuguer, nous prenons le verbe vouloir travailler ici, pour le conjuguer au présent de l'indicatif, nous disons « je veux travailler »,« tu veux travailler », »,« il ou elle veut travailler », »,« nous voulons travailler », »,« vous voulez travailler », »,« il ou elle veulent travailler ». Le verbe « vouloir travailler » ici, conjugué au présent de l'indicatif, à la première personne, quand nous avons dit « je veux travailler ici », la terminaison prend « x ». Tu veux aussi, la terminaison prend X. Mais on n'entend pas. Bien, voici notre petit texte. Mais avant d'exploiter notre texte, je vais toujours vous le rappeler. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'étude des consonnes muettes X et P. À la fin, chacun de vous doit écrire correctement les mots contenant ces consonnes. Revenons à notre texte maintenant. Après un coup de sifflet, les joueurs entrent en paix sur l'aire de jeu. Beaucoup d'enfants font les jeux de cache-cache. Je reprends. Après un coup de sifflet, les joueurs entrent en paix sur l'aire de jeu. Beaucoup d'enfants font les jeux de cache-cache. Bien, comme notre leçon porte sur l'étude de consonnes muettes, nous allons souligner ensemble les mots qui sont dans notre texte. À côté, vous pouvez les écrire. Nous prenons dans notre texte ici, nous allons souligner les mots qui se terminent par X et par P. Nous avons coup. Quand on dit un coup de sifflet, nous soulignons coup. Nous soulignons paix. Nous soulignons jeu. Et nous soulignons beaucoup. J'espère que vous les avez aussi écrits sur vos supports. Bien.
par quelle lettre se terminent les mots que nous venons de souligner? Nous avons coup et beaucoup qui se terminent par la lettre P. Et en deuxième position, nous avons P et G qui se terminent par la lettre X. Alors, nous venons de voir que ces mots se terminent par ces consonnes muettes. Alors, quelle est la nature de P et de X? Comme je l'ai annoncé, P et X sont des consonnes. Hein? P et X ici sont des consonnes. Ces consonnes, est-ce qu'on les prononce? Est-ce que ça se prononce tel? Quand nous disons cou, beaucoup, paix, je, est-ce qu'on entend à la fin de ces mots-là ces consonnes? Non, elles ne se prononcent pas. Mais comme elles ne se prononcent pas, comment peut-on les appeler? Hein? Ces consonnes qui ne se prononcent pas, comment on peut les appeler? Donc, ce sont des consonnes muettes. Quelque chose qui est muette, on ne peut pas les prononcer. Maintenant, nous allons construire deux phrases avec chacune des consonnes muettes. Prenons maintenant la première consonne X. Faisons une phrase. J'ai reçu un accueil chaleureux. J'ai reçu un accueil chaleureux. À la fin de chaleureux ici, nous avons notre consonne muette qui est X. Mais on ne prononce pas. Deuxième phrase. Abdoulaye nous a acheté beaucoup de mangue. Abdoulaye nous a acheté beaucoup de mangue. À la fin de beaucoup ici, nous avons notre consonne muette qui est P. Mais on ne l'a pas prononcée. Bien, alors dans quel autre mot la consonne muette X peut-elle se prononcer? Hein? Nous avons dit dans certains mots, hein, la consonne X ne se prononce pas. Mais dans d'autres, hein, on dit la consonne muette peut se prononcer dans des mots et non comme index, Alex, Félix, hein, latex. Et là, on écoute notre consonne X à la fin de ces mots. Les mots terminés par X au singulier sont-ils variables? Si nous trouvons cette réponse, nous allons aussi donner un exemple, bien sûr. Nous disons les mots terminés par X au singulier sont invariables. S'il faut donner des exemples ici, nous avons une voix. Quand je parle, vous écoutez ma voix. Hein? Ça se termine par la consonne muette X. Mais ça ne se prononce pas. Des voix. On dit une voix, des voix. C'est invariable. Un époux, des époux. Ça se termine au singulier, toujours par X, muette. Au pluriel, par X, muette. Bien. Les mots terminés par P au singulier s'accordent-ils tous au pluriel? Certains. Certains mots terminés par la consonne muette P au singulier peuvent s'accorder au pluriel. Je dis certains mots terminés par la consonne muette P au singulier peuvent s'accorder au pluriel. Nous avons comme exemple un drap, des draps. Un drap ici se termine par P. Et quand nous disons des draps ici, nous accordons, nous donnons un S à la fin de mot drap qui se termine par P ici. Nous mettons S derrière le P là, nous accordons. Un loup, des loups. Nous avons S à la fin, etc. Bien. Nous venons d'exploiter déjà notre petit texte en étudiant nos deux consonnes muettes qui sont X et P. Alors, s'il faut retenir quelque chose après cette leçon, quelles sont les consonnes muettes que nous venons d'étudier?
La lettre terminant X au singulier se prononce-t-elle? Donc, nous allons nous poser ces deux questions pour arriver à comprendre ou bien à récapituler tout ce que nous avons vu du début jusqu'à la fin. Nous disons que nous avons étudié les consonnes muettes qui sont X et P. Généralement, la consonne X en finale ne se prononce pas, sauf dans quelques mots et noms. Comme nous l'avons cité très haut là-bas, un index, un latex, Félix, Alex. Les mots terminés par X au singulier sont invariables. Exemple, un époux, des époux. Une voix, des voix. Maintenant, nous allons citer quelques mots à la fin desquels on trouve la consonne muette P aussi. On trouve la consonne muette P à la fin des mots suivants. Nous avons beaucoup, nous avons un coup, un champ, un drap, un loup, un sirop, un galop, trop, etc. Alors, nous venons de finir avec notre leçon d'orthographe portée sur l'étude des consonnes muettes qui sont X et P. Mais avant de nous séparer, nous avons des exercices ici que vous allez les traiter. Nous avons le premier exercice. Parmi les mots suivants, terminés par P et X, souligne ceux qui sont justes. Voici les mots là. Un boubou. Le mot boubou que nous l'avons écrit ici a pris P à la fin. Hein? Un boubou. Un loup. Une roue qui se termine par P. Un vin qui se termine par X. Un sirop. Chaleureux. Beaucoup. Un badaud. Un goût. Un coup. Des marathons qui se terminent par X. Un époux. Bien, nous avons encore un autre exercice ici. Je vous demande, à chacun de vous, d'écrire correctement les mots terminés par les consonnes muettes X et P dans 10 phrases. Chacun de vous doit écrire 10 phrases. Mais, on doit retrouver les mots, les consonnes muettes P ou X devant ces 10 mots que vous allez les écrire. Ainsi, chers élèves, notre leçon tire vers la fin. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Chers amis, nous avons suivi le cours de Madame Réouri et j'espère que nous avons compris. Si ce n'est pas le cas, rendons-nous sur le site www.educhat.td pour télécharger ce cours ou encore nous appeler sur le numéro vert 1317 pour poser toutes vos questions. J'ai un conseil à vous donner. Lavez-vous de temps en temps les mains et surtout, restez chez vous.